Et je demande à Dieu de leur donner encore plus de la force. Pour aider d'autres familles. Pour aider d'autres familles. Ok. Alors, ce que je tiens à te dire, ma fille, c'est que sois fort. C'est quand tu sois en prison, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Déjà, toi-même, tu as vu. Tu as accouché sans aucune difficulté, n'est-ce pas? Donc le Seigneur t'a envoyé en mission en prison. Quand le temps de Dieu va arriver, il va te faire sortir de là. Et ça, c'est compris. Donc tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu lui demandes pardon pour tous les péchés que tu as eu à commettre. Ok? Pour cela, donc, je vais prier et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai longtemps péché contre toi. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à commettre comme péché. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À compter de maintenant, prends la direction de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie, Père éternel, pour ta fille, ta maman Adélaïde, que tu as utilisé, Papa, pour faire venir au monde ce beau bébé. Merci, Père éternel, parce que les enfants que tu nous donnes sont des dons. Nous acceptons, Papa, cet enfant comme un don venant de toi. Merci, Père éternel, pour tous ceux-là qui ont mis la main pour que le trousseau de cet enfant soit fait. Papa, actuellement, cet enfant a un problème de santé. Toi, tu es le médecin des médecins. Tu dis dans la parole que par tes maîtres aussi, nous sommes guéris. Je déclare que cet enfant est guéri au nom de Jésus. Que tu donnes la santé, Père éternel, à ta fille pour qu'elle puisse bien prendre soin de ce bébé et que tu bénisses toutes les autorités pénitentiaires, Papa, qui ont fait soin de cet enfant. Bénis, Père éternel, tout le personnel soignant qui est vraiment plus soin. Entre tes mains, Papa, nous te l'abandonnons. Nous pensons aussi aux autres bien-aimés qui sont dans les mêmes conditions, afin que tu les viennes en aide. Que cet enfant ne manque de rien. Papa, bénis-nous davantage, afin que Papa puisse même trouver les moyens pour prendre davantage soin de nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Dieu, avons ainsi prié. Amen. Maman, vous avez quelque chose à dire?